fait nuit noire et le marchand de sable va venir. Je vais vous dire une très vieille histoire et vous irez bien gentiment dormir. C'est l'aventure étrange et tout entière de Jean le pâtre et de l'enfant trouvé. C'est très joli, mais dites-nous, grand-mère, si c'est un conte ou si c'est arrivé. Si c'est un conte ou si c'est arrivé. Tout seul un soir sur le bord de la route, Jeanne et le pâtre activant ses brebis, perçut des cris dans les joncs, il écoute et cesse un peu de mordre son pain bis. Il fait 20 pas et vers la croix de Payère trouve un enfant, il croit avoir rêvé. C'est très joli, mais dites-nous, grand-mère, si c'est un conte ou si c'est arrivé. Si c'est un conte ou si c'est arrivé. Un petit être entouré de ses langes, Jeanne le prend gauchement dans ses bras, puis court porter cet échappé des anges chez la meunière au vieux moulin d'en bas. Vite on le met dans la couchette claire d'une fillette au doux regard levé. C'est très joli, mais dites-nous, grand-mère, si c'est un conte ou si c'est arrivé. Si c'est un conte ou si c'est arrivé. Les deux bambins, comme frères et sœurettes, au même jeu grandissaient chaque jour. Puis mes enfants, faut-il que je m'arrête? Non, à 20 ans, ils s'aimèrent d'amour. On les unit dans l'aube printanière, chacun des cœurs fut à l'autre rivé.